Et rebonjour dans Saints Row où j'ai le son vachement bas mais que vous entendez tout mais moi j'entends rien avec l'autre idiot. Dis bonjour. Bonjour. Ouais. Donc pour commencer, je me sens bien avant tout de faire une petite traînée ardente difficile. Petite traînée ardente difficile. Bon. C'est long. Trop long l'hélicoptère. On est où ? Ne t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire, moi je me dirige vers la position, mais je crois que... Ok, ben je vais aller à la position. Oui. Oh, jusqu'à où tu peux aller mon missile ? Bon, tu me diras à la moitié de l'épisode avec que je change mon personnage. Le deuxième personnage est beaucoup plus sympa que le premier. Oui, mais s'ils font plus d'un mot. Oh, merde, c'est chiant. Oui. C'est genre... Oui. Bass jumping. Ok, j'ai mis un bass jumping, mais je suis même pas là. Vous voyez une Barbie, ça, sauter d'un immeuble, ils s'en foutent. Qu'est-ce que... Pourquoi... Pourquoi y'a des mascottes dans notre gang? J'ai mis des mascottes moi dans le gang. Ça y est, il a remis les machins, il a craqué, c'est plus chez lui. Nanana, c'est... Attends, hé, toi, arrête-toi. Après des fois y'a des trucs qui sont dans notre groupe sans qu'on les ait mis. Ouais bah je sais pas, y'a une mascotte et un motard. Et pourquoi y'a des étoiles du matin dans le territoire des cœurs? Ah, ils m'ont tiré dessus. C'est incompréhensible. Le monde devient fou. Le monde ne l'était pas déjà. Make me proud, Saints. Mais lâchez-moi la grappe, messieurs dames. C'est où? Putain, mais... Viens ici, toi. Allez, hop. Tiens, crève. C'est pas moi, c'est eux derrière moi. Allez, go. Crève. Go. Meurs. Donc on fait quoi? J'ai pas suivi. Traînée ardente. Donc en gros, il va y avoir une traînée, il va y avoir du feu. D'accord. What are you gonna do with all that information? D'accord, je commence bien. Ah ben, c'est sûr. Tu peux tirer. You're enjoying this, aren't you? N'hésite pas. C'est sur art, on débloque la fantôme. C'est tellement classe sur le fantôme. Merde, alors c'est le tank. Oui! N'importe quoi! Ah, gueule. Ah, on en est même pas la moitié encore. Alors, pas d'anecdote intéressante à raconter? T'as une intéressante à raconter? Je comprends rien. Non, rien. Je disais des mots. Sinon, c'était quoi ce bordel là? C'était... Il s'est passé des choses. Oui, je suis allé en sens inverse. Ouais, c'est...
je voulais revenir dans le bon sens. Potentiellement. Bah, on est dans le bon sens là, non? Non, t'es dans le sens inverse. Oh merde, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais je te l'ai dit! C'est pas grave, 18 secondes, c'est possible. Faut juste que j'évite de me prendre les pare-feux. 10 secondes, c'est possible. 7 secondes, c'est possible. C'est vraiment parfait. 4 secondes, c'est 2 secondes, c'est impossible. Putain. Ouais. Tu vois que c'est hard. Hein. Et ouais, mais tu m'avais pas dit qu'on était dans le mauvais sens. Mais je l'ai dit, c'est toi qui as pas capté. Ouais, mais tu m'as pas dit. J'ai dit, t'es parti dans le mauvais sens. Oui, oui, t'inquiète. Et n'oublie pas que j'ai le micro bas, moi, j'entends quasiment rien à ce que tu dis. Voilà, excuse. Bon, on est reprend. C'est le trop qui est bas, hein. C'est pas le micro. Là, ouais, enfin, un haut-parleur, quoi. Alright, bon, bref, cette fois, on va pas du mauvais côté, ok? Je compte sur toi. Ok. C'est bon. On s'en sort. Bon moment. Oh putain. 13 sur 17. Oh putain. Vraiment, t'es encore dans le bon sens. C'est ça qui est bon. J'espère que c'est bon. Allez, faut quoi de quoi. J'essaie de rester sur le trait bleu. Ben j'essaye. Mais va de tous les côtés, c'est quoi le trait. Oh, merde. Merde, j'ai raté. T'inquiète. Je suis chaud. Par contre, tu as fait ma charge derrière. Allez, c'est le dernier. Ça va, ça va. Pas mal, bien sûr, pas mal. Tire une fois à peine, je prends les trucs partout. Allez, hop. Oh. On l'a eu, non? Ben non, on a perdu, je me suis pris les pare-feux. Et alors? C'est parce que tu t'es pris les pare-feux qu'on l'a pas eu? Non. Ouais, je sais, c'était pour te faire croire. Attention, moment de vérité, on s'en fout. Eh oui. Quoi? On a les cyberspace véhicules. Ah ouais. On a la moto. Par contre, échappe, option, audio. Je t'en fous de ce que donnent les trucs, tant que toi tu peux écouter, c'est ça. Putain, ce chat. Attends, j'essaie de passer le son qui a... J'essaie d'augmenter un peu le son. On va faire juste un petit test. On vous retrouve tout de suite après. Ok, j'ai monté le son. Espérons que la résonance ne sera pas de trop. Bon, mais tant pis. Ok, then what should I... Is Shandy with you? No, why do you want to know? What's going on? I'll call her then. Meet me at Smiling Jack's Diner. There's something you need to see. Ah, c'était là. Bon, bah... C'est quoi la mission qu'on regarde un peu? Live avec Kill Bane. Live avec Kill Bane. Ah, c'est pas là où il faut tuer tout ça? Footage has come to light, and with us live, the man responsible, Eddie Kilbane Pryor. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And please, call me Kilbane. Very well. Kilbane, there are some who claim you're a criminal. No, no. Jane, my dear, please. The saints are criminals. Call me eccentric, but I'm just an entertainer slash businessman slash philanthropist slash... We get it. Where are they? No idea. They're broadcasting from the East Coast. We'll fucking disclose it. You might be able to triangulate where they're shooting if you go to the broadcast towers. We're on it. Allez, les mignons, en voiture. Attends, il y a des choses qui sont pas normales là. Pourquoi qui est pas normal? Ça là. Bah, c'est une voiture. Ouais, bon bref. Je vois pas ce qui est pas normal dans une voiture.
Tu n'as pas vu ce que tu dis. Ah, donc 5 000 $ pour un micro sur tes véhicules. Bouge pas, monsieur. Oui. C'était bon. And your intentions are noble? Ask the kids who've been through my program. Fuck him. This guy's got a bigger ego than me. After a few words from our sponsors. Je suis bien raté. Allez, voiture tout le monde. Enfin, un hélico quoi. Mm-hmm. We're here, Kinsey. What next? I sent you coordinates to several radio towers. Head to the first one and let me know when you've landed. C'est trop grave. Before the break, you mentioned the kids you've helped. Ah, yes. Kilbane's Crunch Camp. It's a 2-month summer program that gets kids off the streets and into the ring. There's been some concern from parent groups. Well, that's because parents are put. Maybe they should focus on a real threat, like the Third Street Saints. Strong words. Oula, pourquoi c'est chiant là? And get hit with steel. Parce que c'est des machins. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah non, c'est sur nous. D'accord, mais je voyais pas que ça tirait sur nous, je crois qu'il tirait. Qu'est-ce que ça tire, t'sais? Il y a 300 de cœur. Ah, sur qui ça tire? There's Deckers up here. They probably use these antennas for the Decker you set. Not surprising they leave guards. Oh, thanks for the heads up. Use the transmitter I left under the seat. Place one next to the radio antenna, then head to the next tower. How many gadgets you think Kenzie's got all over the city right now? Who cares, as long as she isn't bugging my bedroom? She wouldn't spy on her own people like that. You sure about that? C'est sérieux, ça? Remind me to have my room checked when we get back. Reload! Tiens, pas. Too easy. Oh, putain. My trash folder. Ok, go. Franchement, c'est les femmes qui font tout le boulot. Ben bon, si on peut appeler ton truc une femme. Pour le moment. En voiture, mais s'il te plaît, monte derrière. Putain, non, mais qu'est-ce que c'est ce Sonji là? Sonji? Ah c'est bon, il est monté. Monte. Ah mais tu la voyais pas monter. Putain, ils auraient dû mettre les sous-titres là, je comprends rien ce qu'ils disent. Si je saute, c'est grave. Sur qui il tire cette fois là? Hein? Car sur qui il tire là, Shunji? Sur les machines qui sont à côté. Sur les coups. Bon, parce que je veux dire, ils sont un peu bas là, comment tu peux les toucher, femme? Il y a un hélico, je sais pas si tu le vois. Où c'est que tu vois un hélico, toi? Enfin, il n'y a plus d'hélico maintenant, mais... c'est un explosé, mais. Il y avait un hélico il y a 2 minutes. Attends une seconde, je regarde le panneau. Pfff, on voit rien, c'est nul. On voit rien, c'est nul. Alors là, il y a une question. Ils veulent qu'on se pose là et qu'on monte pour changer l'escalier. Et moi, c'est la meilleure technique. Voilà, c'est pas bien. Tu sais que si je me barre, ça s'abandonne. Un PR department can take care of that, right? Je vais gentil, tu viens me sauver. Then what the hell are we paying for? Covering up the small shit. Since when do we do small shit? Alright, hooking this thing up. Voilà, c'est bon. Merde. Je suis en haut, monte. Mais je peux pas monter. Il y a des escaliers. Des escaliers ou quoi? There, got it. Oh, ouais, ah, allez, dépêche-toi. Ils veulent pas un peu d'évacuation. Il y a des gens qui veulent ma peau. The what? The light on the helicopter. Shine it on the van. Ouais, plus vite ou on part sympa. On dépêche. On est chez l'on pour monter 4 mars et demi. On n'est pas dans le 4. Hein. C'est un peu mou quand même. Hein, c'est pas... Attends, bon, je descends, attends. Oh, mais c'est trop tard maintenant. Attends. Attends, vas-y, viens là. Vas-y, moi. Je suis en haut.
expect the blast to tear you to meaty blood cells. Attends, y'a un mec qui m'a... There may be children listening. Kids, don't play with grenades and deploy handoffs. When we come back with Kilbane, we'll take a few calls from our listeners. Eh ben, t'as plus du temps pour monter quelques marches. Enfin, pourquoi t'as un rayon vert? Parce que... j'ai un... parce que... Est-ce que, tu... Est-ce que ça fait des dégâts au moins ce rayon vert? Mais non, c'est un scanner. Il y a encore des décaires qui me tirent dessus, t'as mal fait ton travail. Ah, je m'ai fait mon travail, j'ai... il m'a dit de monter, je suis monté. Great. They're running. We must... Ah mais je crois que c'est toi qui dirige le rayon. Non, pas du tout. Alors pourquoi il va de tous les côtés cette saloperie? Si à mon avis c'est là où tu regardes qui va. Pas du tout. Là je regarde fixe, pourtant il bouge pas. Enfin pourtant il bouge. Putain, je suis vachement bien passé là. T'inquiète, je gère la situation. Putain. T'es un peu loin quand même. T'inquiète, je gère la situation. C'est le meilleur du passage. Tu vois? Je ne sais pas si c'était le meilleur du passage. Allez. Calme. Ça se gagne que dalle. Hein. Ouais, mais il est bugué, Stélico. C'est toi qui dois scanner, hein, je pense. Non, non, il scanne tout seul. Arrête de bouger, espèce de camion, de toute façon, t'es bloqué. T'as aucune chance de s'échapper. Bloque-le. Putain, mais il y en a débloqué, cette voiture. Je comprends que dalle. Non, c'est pas pour là qu'il est censé passer. Hein? Bon, écoute, tu sais quoi, hein? Chier. Espérant pas mourir. C'est bon, il bouge pas. Ouais, je sais pas voir. Par contre, j'ai quand même des stables qui prend l'air de bizarrement en fait. J'ai quand même des stables qui me tirent dessus en fait, c'est ça le problème. J'ai Shunji qui s'est fait descendre en fait, c'est ça le problème. Comment t'as fait ça? Je sais pas, il y a un stack qui lui a plombé le cul. Je vois pas. Nice work, Kenzie. Bon, tu nous rejoins, j'ai pas pu te trouver un hélicoptère et tu nous rejoins. Attends, avant de me faire tuer, j'attaque le mec, on va vous faire un coup. Vous pouvez venir m'aider vite parce que je pense que vous pouvez faire trop tard. Listen, you fat piece of shit, you. I'm sorry, do you have a question for me? Yeah, I'm gonna come down there and tear your goddamn throat out. Perhaps this has gone just a bit too far. I'm not sure that's a question either. It sounds more like a threat. No, it's a promise. Okay, we need to... Ooh, someone talk to a washed-up wrestler. This looks like the place. Clear him out quick and quiet. Quiet. Merde, on a des problèmes ici, qu'est-ce que tu fous? Quiet-ish. Vas-y. Atterrissage, go! J'arrive en Fiat Punto, ça va pas arriver. Ouais, mais on est en haut en fait, parce que alors on est en haut, il y a un volant. Enfin, un truc qui vole quoi. Ah, bon, bah tant pis alors. J'arriverai en Fiat Punto, je me débrouillerai. Ah! Excusez-moi. Je suis en bâtiment, ah ouais, putain, c'est un bâtiment. Ah, pas faire un sandvol. Te débrouilleras seul. Oh, il est en camion. Ah, il s'est fait. Oh putain, tu vas. Tu es sérieux là? Fini les vies. Ils sont trop. Ouais, tu veux que je finisse en 7 secondes? Putain, en plus il y a la marteleuse folle. C'est pas grave. Oh. Allez, putain. Bravo. C'est ma faute si les stags ils arrivent avec un hélico. Les stags n'ont pas des hélicos, ils ont des vétoles. Non, les machins, les condors.
Where the hell is Kilbane? Bet that reporter knows. Ouais, tu lâches pas pour prendre. We gotta get through him first. Mon dieu, mais c'est là-dedans, hein, d'accord. Moi, je vais à la veille. C'est beaucoup plus swag. You lost to the best. Oh, attends. Bonjour. Non, 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 non. Qu'est-ce que... Putain. Il y a eu une explosion, je suis tombé. Ah, bravo. Parfois, tu sais exploser, bro. C'est toi qui as tiré avec la lance roquette. Tu as abandonné l'hélicoptère. Et puis, l'hélico. Where the hell is Kilbane? Est-ce que tu crois qu'on peut brancher des écouteurs iPhone sur le PC? De quoi? Des écouteurs iPhone sur l'ordinateur, je crois que ça marche. Ça dépend de la prise. Regarde. T'as la même prise, normalement ça marche. Eh merde, je me tire dessus, je suis en pleine recherche de recherche. That one was for you, Johnny. Ah oui, la spécialiste. Il faut que tu me tues, ce spécialiste. Oh, pouf. Oh putain. Mais va chercher un flingue, espèce d'idiote. Voilà, ça y est. Allez, debout, femme. Putain. Merde. Tiens, debout, Non. Oh. Tiens, tu veux pas en prendre un aussi, de marteau? Tate. Non, moi, je suis en mode pistolet bon. On a fait 3 minutes, mec. Tu t'en rends compte? Il va falloir aller un peu plus vite, là. Ah, c'est trop fun. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a explosé un truc à la gueule. C'est pas ma faute, à moi? Oui, c'est pas ta faute. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que t'as foutu là? Where's Kilbane? Tiens, elle rebouge les avances. Vas-y, je vais te toucher. Oh, que ça, je vais te toucher. Back to the chopper, we're going after Kilbane. Je vais te toucher, femme. Putain, elle veut pas que ça. Sens, cette salope. Elle veut pas que je la touche. On peut pas la tuer. C'est normal. C'est comment elle s'appelle? Tu sais, celle qui reportage. Il faut la tuer. Toujours vers les tests. Oui. Bon, on a 2 minutes 42. Allez, vite. Oui, ben, mon marteau, il passe pas la porte. Alors, je vais le lâcher. Bon, je te laisse juste. Bon, il s'en va, là. Allez, vite. Ah, il est là. Vite. Bon, t'es trop lent. D'accord. Je vole dans le ciel, tranquille. Il est là. Ah bah, il y a un bâtiment sun ici. Et regarde. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oh, c'est la première fois qu'on voit une inferno verte. Ouais, c'est normal. C'est la seule. C'est la seule. C'est comme les hélicos sun. C'est des machines spéciales. Gotcha. What did you do? What did I do? I don't fucking know! Learn to fucking fly! C'est Matt, c'est sa faute, il a failli me tuer ce con. Putain, c'est épique. Une blonde qui sort de l'hélico comme right? Ça, c'est tellement épique. I had him! I know. It's not your fault. Something weird happened. Ah, shit. Jesus. Petit con. Bon, allez, je vais juste prendre mon deuxième personnage. Ouais, ben... Enfin, mon autre personnage, qui en fait est ce personnage, mais tu verras.
Tant que ça charge. Hop là. Chargé, parti. Chargé. Celle. Voilà, non, celle. Ah, voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais. Ah, pas assez d'argent. Connard. Ben, magasin de... pistolero. Il faut que je m'achète des munitions pour mon arme. Oh putain, les flics immortels, ça m'énerve. Oui, putain, c'est vrai qu'ils sont immortels, les flics. Oh les amoureux, il y en a un qui vient avec moi, allez. Et on appelle mon torche. Mon torchon. Dehors, femme. Ouais, bah j'ai pas trouvé, hein, tu m'excuseras. Exclusive interview. Members of the Third Street Saints confronted several of his associates, gunning them down in an abandoned office building. Your very own Jane Valderrama cornered these now infamous killers to ask them their thoughts on the accusations of the self-proclaimed. Okay. I'd love for you to do that. Avant, je veux juste d'abord. Regardez si le son est correct, c'est désolé, mais... Qu'est-ce... Attends, il y a de l'imparfait, là. Bouge pas, toi, hein, j'arrive tout de suite. Voilà. J'étais juste allé envoyer un coup de bif à un mec qui manquait de respect au Saint. L'âme de la mort. Petite coupure.